le 1er décembre 2016 et, euh, et c'est une joie pour moi de partager l'évangile avec vous ce soir et euh, c'est une émission c'est une émission spéciale et euh, pourquoi parce que et euh, vu euh, bien sûr les contextes euh, actuels il y en a plusieurs hein, donc euh, le contexte économique euh, politique le contexte euh, comment dire religieux et, euh, spirituel, climatique, donc tous ces contextes-là ben, euh, me, me permettent aujourd'hui de pouvoir parler davantage de notre Seigneur et Sauveur. Et, euh, et euh, je voudrais ce soir, enfants de Dieu, vous partager quelque chose de très, très précis, quelque chose qui me tient à cœur. Mais je vous invite d'abord à la prière. Seigneur, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, je voudrais te bénir. Te bénir parce que tu es Dieu. Te bénir parce que tu es tout puissant. Te bénir parce que tu ne changes pas. Merci pour mes frères et sœurs, merci pour ta parole qui nous guérit. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père de gloire, Amen. Mes amis, euh, vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux, à suivre les enseignements euh, via TV et Radio De Vie, et via aussi d'autres sites avec lesquels nous euh, collaborons, et euh, il y en a de plus en plus. Et je voudrais d'abord vous rappeler, vous présenter euh, avant toute chose la mission ou la vision euh, que le Seigneur m'a confiée quand il m'a appelé. En, en 99, le Seigneur m'a visité, il m'a dit, euh, commence une œuvre. Et avant cela, bien sûr, j'allais prêcher de maison à maison, ici et là, et je commençais le travail. Ensuite, Jésus m'est apparu, il m'a amené au ciel, et il m'a dit, Beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et ils repartent avec. Va et libère mon peuple. Attention, nous ne sommes pas, bien sûr, les seuls à prêcher l'Évangile. Il y a de plus en plus de gens qui le prêchent. Il y en a eu hier, il y en aura aujourd demain. Aujourd'hui, il y en a. Et euh, il y a des personnes qui prêchent mieux que nous, hein, qui ont plus de grâces que nous. Ça, c est, c est Dieu fait ce qu'il veut. Et, euh, mais néanmoins, nous sommes... Euh, préoccupés par, euh, par euh, l'amour euh, que nous sommes censés avoir pour le Seigneur. Nous voulons vraiment euh, d'abord présenter Dieu au monde. Nous voulons, ça c'est la première, mes amis, préoccupation que nous avons au sein de cette mission que le Seigneur nous a confiée, c'est la révélation de Dieu. Qui est Dieu Jésus-Christ, bien sûr, notre Seigneur et Sauveur. Et nous voulons vraiment le présenter, lui, d'abord. Jésus-Christ en tant que Seigneur en tant que Sauveur, Jésus-Christ en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Esprit, Jésus-Christ en tant que chemin, vérité et vie, le chemin, la vérité la vie, Jésus-Christ en tant que le tabernacle, Jésus-Christ en tant que l'apôtre, en tant que le prophète, en tant que le docteur, en tant que l'évangéliste, en tant que le pasteur ou le berger, en tant que le surveillant ou l'ancien, le bishop, l'évêque de nos âmes, comme les Écritures le disent, Jésus-Christ en tant que l'époux, Jésus-Christ en tant que le lion, en tant que l'agneau. En tant que l'eau de vie, en tant que la résurrection Jésus-Christ, en tant que euh, euh, comment dire l'homme qui sauve, et euh, tout ça. Donc, il y a tellement de choses à dire sur lui, et nous voulons vraiment hein, que les gens le découvrent, parce que la connaissance de Dieu est capitale, est indispensable au salut. Et voilà la vision euh, qui nous tient énormément à cœur au sein de, euh, cette, euh, de ce service que le Seigneur nous a confié, m'a confié. Voilà pourquoi nous nous, nous battons euh, depuis des années pour euh, que les gens, que les frères et sœurs découvrent Dieu. Et, euh, et beaucoup des personnes qui sont touchées, qui sont converties, comme vous pouvez le voir sur les, sur les images, hein, et, euh, ici et là, des gens qui se font baptiser, eh bien, il y en a, on ne le les revoit pas parce qu'ils découvrent le Seigneur et puis ils continuent leur marche. Ces hommes et ces femmes cherchent le Seigneur et continuent à marcher avec le Seigneur. Nous, notre problème, moi, mon problème, c'est d'apporter l'évangile, c'est d'annoncer Christ. Voilà. Et, euh, et la deuxième préoccupation que, que nous avons, bien sûr, c'est de libérer les gens, parce qu'une fois que les gens découvrent Dieu, connaissent Dieu, hein, et ben, ils sont forcément délivrés. Premièrement, ils sont délivrés du péché, délivrés, n'est-ce pas, euh, de la religion, délivrés de la religion des hommes, délivrés euh, 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 des, des démons aussi. Il y en a qui sont aussi, comme vous le voyez, guéris. Oui, Dieu guérit réellement, même si certains euh, euh, nient veulent nier la, la, la guérison divine parce que parce qu'ils n'ont pas été guéris. Pourquoi Parce que ben, certainement et, euh, leur cœur aussi euh, euh, n'était pas ou ne sont pas vrais. Ça, il faut le dire. Et euh, d'autres ne le sont pas parce que c'est pas le temps de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Et euh, voilà. Et, euh, et euh, voilà. Donc, nous voulons vraiment que les gens soient libérés libérés de la loi mosaïque, parce que vous n'êtes pas sans savoir que des millions de chrétiens sont encore, à l'heure actuelle, soumis à la pratique de la dîme. Hein, on leur fait croire que s'ils ne payent pas la dîme, ils ne seront pas bénis. Et des millions, des millions, des millions sont euh, comment dire, condamnés, et, euh, parce qu'ils ne peuvent pas, justement, donner chaque mois le un dixième de leur salaire à leur pasteur, et ils se sentent condamnés, alors qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ selon Romains chapitre 8, verset 1er. Donc, et comme vous le savez, mes frères et sœurs, prêcher un message qui libère les gens ne va pas, et euh, bien évidemment, euh, prêcher un message comme ça euh, va forcément euh, créer euh, des réactions, des réactions parfois violentes, très violentes, de la part d'abord de l'ennemi, parce que certains ne veulent pas voir les gens libérés. Des réactions violentes de la part aussi des religieux, comme on peut le voir dans les actes des apôtres. Acte 4, acte 5, acte 6, acte 7, acte 8, et euh, jusqu'à acte 27, hein, donc euh, 20, même 28, on voit la réaction des religieux, des pharisiens, qui ne voulaient surtout pas que la vérité soit proclamée. Donc, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de combats. C'était vraiment une vraie guerre, et, euh, et euh, c'est ce que Paul appelle le combat de la foi. Donc, et euh, vous savez que depuis des années, euh, ce message dérange. Ce message dérange énormément. Quel message? C'est l'évangile, tout simplement. L'évangile, c'est pas un message nouveau. C'est l'évangile de Christ. Prêcher la sanctification, aujourd'hui, comme vous le savez, euh, ne plaît pas. Prêcher la crainte de Dieu ne, ne plaît pas. Dénoncer le mal, comme la parole le dit, Il hein, il faut pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt il faut les condamner. Eh bien, condamner, quand on se met à condamner les œuvres des ténèbres, eh ben, ça plaît pas, les gens qui sont dedans. Ça les excite. Ça les énerve, ça les pousse, bien sûr, à aller et, euh, euh, et à parler et accuser faussement les frères, raconter des histoires. Et euh, Donc, ça ne plaît pas. Tout ça, c'est de l'intimidation pour ne pas que la vérité soit proclamée. Donc, on ne peut pas, bien sûr, se taire parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que euh, euh, nous sommes euh, euh, combattus, traités de tous les noms. Je voudrais simplement ce soir vous partager ce message pour vous encourager à la prière, vous inviter à la prière, vous inviter davantage à la vigilance parce qu'on est à la fin, effectivement. Yeshua revient et la vérité est de plus en plus combattue. Nous sommes dans le livre de Jude, chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset premier. Jude. Esclaves de Jésus Christ et frères de Jacques, à ceux qui ont été appelés par l'Évangile que Dieu a sanctifié et gardé pour Jésus Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Mes bien-aimés, comme je désirais vous écrire avec empressement au sujet de notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire, hein, de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Jude invite bien sûr les chrétiens à combattre pour la foi. Voilà, mes frères et sœurs, le combat. Hein, il y a plusieurs combats. Hein, donc il y a le combat spirituel contre les démons, comme Paul le dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dans Ephésiens 6, et 12, mais contre les principautés, les dominations, les puissances de ce monde des ténèbres, tout ça. Hein, donc les esprits, euh, les, les méchancetés dans les lieux célestes, tout ça. Et, euh, mais il y a aussi le combat pour la foi. Et ça, on en parle très peu dans les assemblées. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce combat-là. Pourquoi Parce que ben, la foi a presque, presque disparu dans notre génération. La foi a disparu, pourquoi Parce que beaucoup ne veulent pas marcher par la foi. Et, euh, et euh, beaucoup, et, euh, mes amis, euh, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs. Et, euh, Vont vous prêcher sur la prospérité en vous disant si vous donnez la dîme, vous allez être béni, si vous donnez 100 euros, vous aurez 1000 euros, tout ça. Et, euh, et tout ça, là, c'est le message qui plaît aujourd'hui. Hein, ce message-là, l'évangile de la prospérité, qui sort bien sûr de l'enfer, qui ne vient pas du Seigneur. et euh, Parce que Christ n'est pas mort à la croix pour que nous soyons millionnaires, milliardaires. Non, pas du tout. Si vous voulez gagner de l'argent, c'est simple, travailler. C'est aussi simple que cela. Et euh, donc, et, euh, la foi. Ici, c'est aussi l'évangile véritable. L'évangile qui est basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile qui dit que Dieu est un et non trois ou deux. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux dieux ou trois dieux. Ça, c'est complètement euh, euh, mondain. C'est du polythéisme, tout ça. Ça vient de l'Égypte, ça vient de Babylone. Donc prêcher que Dieu est un et qu'il faut l'adorer lui et lui seul et qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, ça dérange bien sûr les religieux, les trinitaires. Ça dérange ceux qui se croient à une autre doctrine qu'on appelle, euh, et, euh, le, 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 en fait, une doctrine qui nous fait croire que Dieu euh, est bicéphale, c'est-à-dire euh, deux têtes, Dieu a deux têtes, hein, une tête pour le Père et une tête pour le Fils. Tout ça, là, c'est des doctrines qui n'ont aucun fondement biblique. Toutes les Écritures nous parlent d'un Dieu unique, un Dieu un, de Genèse à Apocalypse. Alors, prêcher Jésus seul, c'est-à-dire le seul sauveur, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, la seule résurrection, le seul euh, qui peut nous guérir, le seul Dieu. Prêcher cela, ça dérange. Du coup, ben, on peut être taxé de, on, on appelle ceux qui parlent de Yeshua tout le temps, tout le temps, de Jésus-Christ, on les appelle de Jésus seul. Voyez Donc, et euh, ce, ce message évangélique dérange tout simplement. Dérange. Et euh, prêcher sur la sanctification dérange. Prêcher aux frères et sœurs en disant, vous ne pouvez pas, bien sûr, et comment dire, et euh, prêcher l'évangile et aller avec des femmes d'autrui. Ce n'est pas biblique. Vous ne pouvez pas être prédicateur et divorcé et remarié. Ce n'est pas biblique parce que la parole nous dit que l'évêque doit être, doit être le mari d'une seule femme ou encore doit avoir été marié une seule fois. bah ben, ça ne plaît pas, tout ça. Ça ne plaît pas parce qu'on veut nous amener, nous nous faire accepter le divorce et le remariage des pasteurs, des chrétiens, des prédicateurs. Et euh, voilà sous prétexte que Dieu est un Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Mais la grâce de Dieu nous appelle à la sanctification, Jude de nos Vous Voyez, la grâce est, est salutaire et elle nous enseigne à vivre loin du péché. Et Jude demande ici aux chrétiens de combattre pour la foi. Bien sûr, ce n'est pas un combat physique, euh, euh, charnel, et euh, nous ne combattons pas avec euh, des armes physiques, n'est-ce pas Nous ne maudissons pas euh, les gens, et, euh, tout ça pas du tout, nous bénissons, mais c'est un combat qui est réel. Et vous allez voir que beaucoup d'apôtres, tous les apôtres ont pris position pour la vérité. Il y en a qui ont été lapidés, d'autres ont été sciés, d'autres encore ont été brûlés vifs, selon l'histoire. Étienne a été lapidé pourquoi parce qu'il a prêché un message le message évangélique et ça a dérangé les religions de son époque. vous ne pouvez pas vous dire euh, euh, comment dire vous ne pouvez pas euh, dire être chrétien hein, vous ne pouvez pas vous présenter euh, aux uns et aux autres comme enfant de dieu tout en refusant de prendre position pour la vérité. ce n'est pas correct. la bible que vous avez entre vos mains mes frères et sœurs, je voudrais vous le rappeler cette Bible que vous avez entre vos mains, mais ben pour pour pouvoir la voir aujourd'hui, il y a des gens qui ont, n'est-ce pas, euh, sacrifié leur vie. Il y a des gens qui ont été euh, emprisonnés parce qu'ils ont fait la révision de la Bible. Il y a des gens qui ont été brûlés vifs parce qu'ils avaient des portions de la Bible. Il y a beaucoup de protestants qui ont dû quitter l'Europe pour se réfugier aux États-Unis parce qu'ils avaient pris position pour la vérité. Calvin a été la, a été rejeté, Luther a été euh, rejeté et euh, Michel Servet, un autre réformateur, a été brûlé vif parce qu'il dénonçait la Trinité. Il a été brûlé, brûlé vif au, 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 comme en Suisse, à Genève précisément. Donc comprenez un peu, lisez un peu l'histoire euh, l'histoire du christianisme et l'histoire de l'Église aussi en lisant les Actes des Apôtres. Vous allez voir ce que les Apôtres ont vécu. Toute leur vie, ils ont pris position pour la vérité. Toute leur vie, et ils ont été rejetés. Et c'est pour cela le Jude nous demande ici de nous lever pour combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Pourquoi Parce que le verset 4 nous dit car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient. Le seul maître, Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur. Donc, Jude nous dit qu'il y a des gens qui se sont glissés ou dans les assemblées chrétiennes, ils se sont glissés sur Internet, dans les églises, ils vont de maison en maison. Leur but, c'est quoi C'est, n'est-ce pas, euh, euh, de changer la grâce de notre Dieu en dissolution. Et à cause de cela, ils renie n'est-ce pas notre maître, le seul maître que nous avons, Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur. Vous voyez Donc, c'est terrible, mes frères et sœurs. Il parlent de la grâce tout en déformant la grâce. Ils veulent justifier le péché des gens. Ils veulent justifier le mensonge. Ils veulent justifier le mensonge. Paul dit dans Romains 4, n'est-ce pas pourquoi ne ferions-nous pas le, le mal pour qu'il n'arrive le bien? C'est-à-dire, il veut faire comprendre aux gens que on peut pas faire le mal pour que le bien en sorte. C'est pas possible. Vous voyez? Et, et c'est, 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 c'est pas possible. Et on peut pas se comporter ainsi. Et Jude est catégorique, mes frères et sœurs. Et euh, il est catégorique. Donc, on va re revenir sur Jude. Et euh, donc, il s'est glissé. Il s'est glissé. Et donc, la parole nous dit, hein, Jude le dit, car il s'est glissé parmi vous. Parmi vous, donc au milieu de vous, dans vos assemblées, dans vos rayons d'assemblées, des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ce sont des gens qui ne sont pas des dieux. C'est l'ivré. Ils font partie de l'ivré. Ils pêchent volontairement, ils couchent avec des femmes, ils mentent, ils déforment euh, les écritures. Ils ont enseigné un message hier. Aujourd'hui, ils changent ce message-là, n'est-ce pas et, euh, et ils changent tout. Ils ont prêché hier que Jésus Christ est le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, ils changent cela. Ce sont des impies. Ce sont des loups cruels. Ce sont des loups ravisseurs. Ils changent la vérité en mensonge, comme la parole dit dans Romain, chapitre 1. Et Jude dit, ce sont des impies. Et leur maître, c'est l'homme impie. Ils changent la grâce de Dieu. Et ils vont enseigner sur la super grâce. C'est-à-dire, oui, Dieu va vous pardonner si vous péchez volontairement. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, vous pouvez pécher. Ce n'est pas un problème, tout ça. Là, que personne ne vous condamne, disent-ils. La parole est claire. Il faut se lever contre ce type d'enseignement et les dénoncer ouvertement, frères et sœurs, comme la parole le dit. Au nom de Yeshua. Et euh, vous ne pouvez pas nous demander de nous taire alors que vous, vous êtes venus, vous suivez les enseignements sur le TV de vie parce que vous avez été attiré par la vérité. Vous avez été attiré par cet évangile qui libère. Dieu m'a dit de crier. Dieu m'a dit de libérer son peuple. Je ne peux pas et je ne veux pas changer de message. Je ne crois pas qu'on peut être chrétien et divorcer, remarier et tout en étant tranquille en prêchant la parole. Ça, c'est, ce n'est pas biblique, mes frères et sœurs. C'est pas biblique. C'est pas ce que la parole nous enseigne. Vous ne pouvez pas dire que Jésus Christ n'est pas le Dieu Tout-Puissant, qu'il n'est pas le Dieu Suprême. C'est pas biblique. C'est de la sorcellerie. Vous ne pouvez pas dire qu'on peut être chrétien et, et, et pécher volontairement. Il n'y a pas de problème parce que le sang de Jésus Christ va vous, va vous sanctifier tous les jours. C'est pas ce que la parole nous enseigne, frères et sœurs doit se lever contre ce type de pratique, type d'enseignement, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, comme Jude hein, euh, le dit clairement. Nous continuons Jude toujours vers euh, verset 12 là-bas. Euh, verset 4, euh, euh, 10 là, je crois. Verset euh, 9. Je viens verser là. Voilà. Verset 8 pardon. Malgré cela, ces hommes aussi, plongés dans leur rêverie, souillent leur chair, méprisent l'autorité et blasphèment contre les dignités. Donc, ils sont plongés dans leur rêverie, c'est-à-dire, ils n'ont pas de vision de Dieu, mais ils rêvent. Ils veulent des ministères que Dieu ne leur a pas donnés. Ils veulent servir Dieu. Ils ont des projets. Ils, font, ils mettent en place des projets que Dieu ne leur a pas inspirés. Ils sont dans des rêves. Ils font des rêves. Vous savez, les rêves hein, hein, ne peuvent pas se réaliser. Ce sont les rêves charnels, bien sûr, j'entends par là, parce que c'est les rêves ou les visions divines, hein, mais les rêves charnels ne peuvent pas s'accomplir. Voilà, nous sommes euh, au verset 10. Eux, au contraire, ils blasphèment contre tout ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans tout ce qu'ils savent naturellement, comme font les bêtes destituées d'intelligence. Ils n'ont plus d'intelligence. Ils ne sont plus intelligents. Ils vont s'associer avec les impies. Avec des voleurs, avec des menteurs, avec des méchants, avec des, des masturbateurs, ils vont s'associer avec, avec toutes sortes de personnes qui ne sont pas recommandables par leur par leur témoignage. Qui ne sont pas, mes amis, recommandables. Et la parole continue au euh, verset 11. « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Bah oui, leur père c'est Caïn. Vous savez Caïn? Caïn est le premier Persécuteur des chrétiens. Le premier euh, meurtrier, il disait servir Dieu, mais il n'offrait pas de bonnes offrandes. Pourquoi? Parce que ses œuvres n'étaient pas bonnes, ses œuvres étaient mauvaises, nous dit les nous dit les écritures euh, nous disent les Écritures. Dans 1 Jean 3, 12, on nous dit que Caïn était du malin. Donc ce sont des enfants de Caïn. Caïn était un homme qui s'est éloigné de Dieu. C'était un rebelle. Voyez, mes amis, un meurtrier. Ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour une récompense. C'est-à-dire, ils sont, mes amis, euh, d'abord ils ont ils suivent la voie de Caïn parce qu'il y a deux voies la voie de Jésus-Christ, la de la vérité, et la voie de Caïn. Caïn est le premier homme à avoir tracé un chemin pour tous ses descendants, pour tous ses enfants. Ce sont des meurtriers. Et deuxièmement, ils, ils sont égarés comme le prophète Balaam. Balaam était à la base un prophète de Dieu, mais il s'est égaré. Pourquoi Parce qu'il voulait avoir une récompense. Ils voulaient être reconnu par les hommes. il voulait les honneurs. Vous voyez, frère. Et troisièmement, ils ont péri par une rébellion semblable à celle de Corée. Donc, ils ont l'esprit de Corée aussi. Vous voyez. Donc, l'esprit de Caïn c'est c'est le meurtre, c'est la jalousie, parce qu'il a jalousé. Euh, il a il a, il a, il a, il a, il a il a eu de la jalousie, pardon, contre son frère. Il a, il a eu de la jalousie par rapport à son frère parce que son frère, euh, ben son, son œuvre prospérait parce que euh, l'adoration d'Abel, de, 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 son frère, avait été euh, agréé, euh, son offrande était agréée par le Seigneur et Caïn a eu de la jalousie. Hein? Et euh, donc, et Caïn, c'est l'esprit de jalousie, l'esprit de convoitise, l'esprit de, de haine, l'esprit de meurtre. Et il a tracé sa voie. Et deuxièmement, l'esprit de Balaam, c'est l'esprit de hein, Balaam, c'est l'esprit de d'impunicité, de, 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 parce qu'il a conseillé les, les, euh, les, les Moabites hein, d'envoyer leurs filles hein, coucher avec des, les Hébreux pour pouvoir faire une brèche en Israël afin que Dieu les frappe, parce qu'ils n'ont pas pu les maudire tant que les Hébreux craignaient Dieu. Vous voyez, Balaam, c'est l'esprit qui, qui court après les honneurs, qui court après les biens de ce monde. Et troisièmement, ils ont péri par la rébellion semblable à celle de Corée. Donc la rébellion, ça c'est l'esprit de Corée. Corée, selon un euh, euh, nombre 16, est l'homme qui était lévite, comme Moïse, comme Aaron. Et il va entraîner tout un groupe de gens à, 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 à la rébellion. Et, euh, et ils vont être frappés par le Seigneur, comme la parole le dit. Donc, l'esprit de rébellion. Et comme vous le savez, Dieu ne bénit jamais une œuvre bâtie sur la rébellion, sur le mensonge, sur l'hypocrisie, la, 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 sur la jalousie. Ça ne peut pas aller loin quand c'est comme ça. Voilà. Et la parole nous dit, ce sont des écueils dans vos agapes lorsqu'ils prennent leur repas avec vous sans crainte et se représentant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, des nuées sans eau. C'est-à-dire, ils n'ont pas la parole qui apporte la vie. L'eau, c'est la parole. Emportés par des vents, ça et là. Ils ne sont pas stables. Ils changent de doctrine à tout va. Ils changent de langage à tout va. Ils n'ont pas le même message depuis qu'ils ont commencé. Hier, ils dénoncent la dîme, aujourd'hui, ils commencent à accepter de nouveau de prendre la dîme des gens. Hier, ils dénoncent les fédérations, aujourd'hui, ils, ils commencent à collaborer avec des gens qui sont les fédérations. Hier, ils ont dénoncé Babylone, aujourd'hui, ils se retrouvent dans Babylone. Hier, ils ont dénoncé, dénoncé la masturbation, aujourd'hui, ils travaillent avec des gens qui sont de la masturbation. C'est-à-dire, ils n'ont pas de position. Vous voyez Ils n'ont pas de position. Des arbres, des, euh, 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 des arbres au déclin de l'automne sans fruits. Ils n'ont pas de fruits. Pas de fruits. L'humilité, l'amour, la vérité, la sanctification, la simplicité, la crainte de Dieu et aussi les fruits, c'est-à-dire les œuvres que Dieu fait. Paul disait aux au, au, au Corinthiens dans 1 Corinthien 9, si pour les autres je ne suis pas apôtre, je le suis pour vous parce que vous êtes le sceau de mon apostolat. Vous êtes les fruits de mon appel. Eux, ils n'ont aucun fruit. Ils font des programmes, il n'y a rien. Ce n'est pas pour se moquer de qui que ce soit. C'est parce que, mes amis, il n'y a pas de fruits. Et quand il n'y a pas de fruits, on, on le dit. Jésus a dit dans Matthieu 7, on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà. Ce sont des arbres d'automne de sans fruits. Deux fois morts et déracinés. Ils n'ont aucun fondement. Ils sont ballottés. C'est pour cela qu'ils sont ballottés comme ça. Des vagues impétueuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Ce sont des vagues de la mer. Vous savez, à la, si vous jetez de la saleté dans à la mer, eh ben les vagues vont les, 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 les rejeter à, à, sur la terre. Et eh ben c'est ça. Ce sont des gens qui écument. Quand ils parlent, eh ben c'est toute so, toute la sorcellerie qui a en eux, tout le mensonge qui, a, qui, a, qui se trouve en eux, qui est euh, qui se Toutes ces choses sont vomies. Hein? Donc ils vont écumer, écumer, écumer euh, de la méchanceté, de l'hypocrisie, euh, du mensonge. Des étoiles errantes. Effectivement, ce sont des étoiles errantes. Ils vont errer hein, de ville en ville, d'église de, 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 en église, pour chercher des collaborateurs, collaborateurs tout ça, des collaborateurs à collaborer avec les uns des autres, à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement. Voilà. Donc, c'est quand même terrible parce que depuis l'éternité passée, Dieu euh, les connaissait comme étant impies, parce que, avant même qu'ils ne soient euh, nés, Dieu savait que c'était des impies, et on nous dit que l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Et, euh, et ça, c'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. Et euh, Donc, vous voyez bien que Jude a pris position pour la vérité. Abel, le premier croyant à avoir pris position pour la vérité, à avoir offert une offrande agréable au Seigneur, a vécu la persécution. Et ensuite, il y a eu des gens comme Noé qui a. Noé a prêché la sanctification, la vérité. Il n'a pas été écouté. Et pareil, euh, il a été bien rejeté. Et euh, ensuite, il y a eu... Et euh, mes amis, il euh, y a eu euh, Lot, selon Pierre, qui était le prédicateur de la justice. Il a prêché la justice et il a été rejeté. C'était un grand prédicateur de la justice. Il n'a pas été cru, il a été rejeté. Donc, vous voyez, il y en a eu plein. Jérémie s'est retrouvé seul en train de crier. Esaïe s'est retrouvé seul en train de crier. Miché, face à 400 prophètes de Baal. Élie, euh, euh, face à 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté ou d'Akéra. Seul face à tous ces prophètes de malheur. Et il a eu à, à, à confronter aussi la méchanceté de Jézabel. Vous savez, Jézabel, c'est cette femme qui se met au devant, n'est-ce pas, et qui va défendre Akab aveuglement, sans vérifier, sans savoir exactement tout ce que Akab a fait dans les coulisses, les erreurs, les mensonges racontés ici et là, les fausses prophéties. voyez Jezabel va monter au créneau pour parler, 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 croyant menacer les gens, mais Jezabel ne fait pas peur aux enfants de Dieu. Pas du tout. Et euh, vous voyez, c est, c est, c est, y a à part Élie, il y en a eu plein d'autres qui ont pris position pour la vérité. Il y a eu Joël dans la Bible. Il y a eu Abacuc, il y a eu... Y a eu euh, tous ces prophètes que vous lisez dans les Écritures ont pris position pour la vérité. Jean-Baptiste qui est venu, on lui a coupé la tête pourquoi Parce qu'il a pris position pour la vérité, parce qu'il a dit la vérité et il n'a pas été écouté, il n'a pas été acclamé. Notre Maître, Jésus-Christ, est lui-même le modèle le plus parfait. Le modèle parfait que nous avons, il a été rejeté à cause de la vérité. Jésus-Christ a dénoncé ouvertement, les pharisiens. Il a dit, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. C'est écrit. Il a renversé l'étape des de, de changeurs de monnaie. Il a pris un fouet. Il a chassé les gens du temple, les vendeurs et les changeurs de monnaie. C'est écrit dans la Bible. Ça, c'est des choses que vous connaissez, frères et sœurs. Donc, tous ces gens ont pris position pour la vérité. Oui, et non de manière charnelle. Ils ont défendu la vérité. Et au niveau de TV de vie, hein, sur TV de vie, nous avons, depuis la naissance de cette œuvre, depuis 99, aujourd'hui, ça fait, par la grâce du Seigneur, et euh, ça fait dix euh, sept ans, et bientôt dix-huit ans, et ça fait dix sept ans et, euh, que nous nous, 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 nous nous battons, ça fait dix sept ans que nous nous battons pour garder la vérité avec nous. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous rejoindre en cours de route et qui pensent que c'est nouveau ce message. Non, ça fait des années que nous prêchons ce message là. Des années. Depuis la naissance de cette œuvre-là, on j'ai toujours, toujours parlé de la sanctification, la sainteté, la séparation, tout ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et ça fait 17 ans que j'ai toujours connu des séparations, des séparations, parce que les gens voulaient que je change de message. Je l'ai toujours dit, je leur ai toujours dit, je ne changerai pas de message. Prouvez-moi devant, de, en face, pas dans les coulisses. Prouvez-moi en face que j'ai tort, que ce que je prêche n'est pas dans la Bible. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est la parole et nous voulons la prêcher, la proclamer haut et fort. Et, euh, et je dis bien, je ne me tairai jamais, jamais. Le combat n'est pas charnel, nous voulons nous lever pour défendre la sainte doctrine. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. Voilà, combat, le bon combat de la foi, Paul dit à Timothée. Et euh, donc, pareil, et euh, Jude a exhorté les frères et sœurs à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Et Paul demande à Timothée, son enfant de la foi, de combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Et je veux demander ce soir à tous les enfants de Dieu, à tous les défenseurs de la Sainte Doctrine, vous qui aimez la vérité. Le combat n'est pas charnel. Nous n'allons pas insulter qui que ce soit. Ce n'est pas notre manière de parler, de voir les choses. Nous voulons dénoncer avec force et vigueur le mal. Et je bénis le Seigneur euh, euh, pour la manière dont des frères restants dans le monde entier se sont levés. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient... Blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit arabe, qu'il soit métis, qu'il soit indien, qu'il soit euh, 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 rouge, qu'il soit euh, de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique euh, du Nord, euh, Canada, États-Unis, Australie, partout dans le monde entier, je vois des frères et sœurs qui se lèvent pour dire non. L'Évangile prêché par le Seigneur Jésus-Christ nous a libérés. L'évangile prêché par les apôtres nous a libérés. L'évangile prêché par des frères et sœurs aujourd'hui nous libère. Et nous ne voulons pas rester sans rien faire. Et nous voulons nous lever d'abord dans la prière. Parce que pour combattre, il faut d'abord prier. C'est d'abord dans la prière. Nous prions, nous prions, nous bénissons nos ennemis, nous prions pour ceux qui nous persécutent, comme le Seigneur le dit. C'est ça le combat. Et deuxièmement, nous proclamons la vérité en disant haut et fort devant tout le monde, nous croyons en cette parole et nous ne voulons pas changer. Si vous ne voulez pas de la vérité, vous êtes libre, c'est votre choix, c'est votre liberté, mais nous ne voulons pas changer le message. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et je bénis Dieu pour la prise de position que vous avez eu à manifester, et euh, euh, la position pour la vérité, bien sûr, que vous avez prise, et euh, ici et là, en étant correct, en étant biblique, en disant les choses. Oui, il y en a qui se sont exprimés... Euh, euh, par des euh, emails, d'autres euh, par la prière, d'autres par des vidéos. Les gens se sont levés pour défendre la sainte doctrine. Et bien sûr, nous sommes appelés aussi à témoigner des frères et sœurs, à témoigner des frères et sœurs. Oui, je reconnais que ce, ce frère, Dieu l'a utilisé pour me faire du bien. Cette sœur, Dieu l'a utilisé pour me faire du bien. Oui, c'est biblique, frères et sœurs. Paul dit à Timothée :« N'est pas honte de témoigner de Christ et de moi, son prisonnier. » Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour des frères comme Sylvain comme Elvis, comme, comme plein d'autres dans les coulisses, qui se lèvent dans la prière pour défendre la vérité. Des frères, comme il y en a plein, il y en a plein, on ne peut pas tous les citer, euh, il y en a plein, vous êtes nombreux à avoir pris position pour la vérité, pour dé, démasquer le mensonge, pour révéler le, le, la vérité, afin que le mensonge soit exposé aux yeux du monde entier. Je rends grâce au Seigneur. Vous savez, Et euh, la vérité finit toujours par triompher. La vérité finit toujours par éclairer les enfants du Seigneur. Nous n'allons pas baisser les bras, jamais. Et, euh, et vous êtes nombreux, j'ai vu et euh, des frères et sœurs, des enfants, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des de, 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 de gens, de gens de tout âge, de toute euh, nationalité, se dire, non, il est temps maintenant que chacun de nous aussi puisse se lever ouvertement en proclamant la vérité. Et euh, mes amis, nous ne pouvons pas laisser les menteurs. Nous ne pouvons pas laisser les, 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 les gens qui couchent avec des femmes. Comme ce monsieur en Belgique, que je connais personnellement, qui priait à l'Assemblée de Bruxelles, qui va faire la cour à une femme qui venait prier. Il a couché avec cette femme. Il s'est mis à la, à, la, à, la, à la tabasser, à la battre, à lui donner des coups. Cette sœur est venue me voir personnellement ici à Paris. Pour me dire, voilà ce que fait ce monsieur qui se dit frère. Depuis des années, fréquente, il fréquente la sommet de Bruxelles. Il, me, il couche avec moi et il me tape. Je quitte son appartement, je cours pour me protéger. Je sors dans la rue, il me poursuit jusqu'à dehors dans la rue, jusqu'à la, jusqu la rue, et il me frappe devant les inconvertis. Et ce monsieur se permet de s'associer avec des, des, des masturbateurs, avec, n'est-ce pas, euh, ce faux docteur. Pour faire hein, avec d'autres faux docteurs, pour faire des programmes. Heureusement que Dieu, n'est-ce pas, n'envoie personne à ce programme-là, et il révèle leur, leur méchanceté. Voilà les associations, des impies, des malfaiteurs. Et c'est pas la première fois. Il y a toujours eu frères et sœurs de telles associations depuis que l'œuvre, depuis, depuis que le monde est monde. Hérode et Pilate, ils ne s'aimaient pas. C'était des ennemis. Mais ils ont fait une, une alliance, n'est-ce pas, contre nature. Comme la parole le dit dans Daniel chapitre 2, il est dit dans Daniel 2, ils vont faire des alliances, euh, ils vont se mêler par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis parce que le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. Et bien voilà ces alliances de circonstances. Mais Dieu expose leurs œuvres aux yeux du monde entier. Oui! Les nations connaîtront la vérité. Oui, l'Europe entendra parler de ce message. Si ce n'est pas par nous, ce sera par vous. Ce sera par des frères et sœurs, euh, par des Français de souche, par des Français d'origine étrangère, par des Européens, par des Allemands, par des Suisses, par des, des, des Maghrébins, par des Métis, par des, des Indiens, par des Chinois, peu importe la personne que le Seigneur va utiliser. Nous ne sommes pas indispensables. Pas du tout. Nous ne méritons pas d'être appelés par le Seigneur car nous ne sommes pas mieux que les autres. Mais c'est une grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. La parole nous dit dans Romains chapitre 9, verset 16, cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de celui qui fait grâce, de Dieu qui fait grâce. Frères et sœurs, vous voyez ces alliances, euh, 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 mes amis, euh, contre nature, des impudiques, des voleurs, des gens qui ont prêché hier, Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Jésus le Tout-Puissant, Jésus le Père, et aujourd'hui ils disent le contraire, nous avons toutes leurs vidéos. Frères et sœurs, nous ne voulons pas combattre charnellement, nous avons toutes leurs vidéos, et je peux vous assurer que depuis quelques jours, depuis quelques, quelques semaines et mois, nous préparons des, 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 des messages, nous préparons des montages pour montrer au monde entier les contradictions de ces faux frères. Parce que la vérité doit être découverte, connue. Et notamment à Bruxelles, ces faux frères, il y en a plusieurs là-bas, qui se sont associés avec d'autres, vont être aussi exposés. Parce que les témoignages sont en train d'être recueillis pour exposer leurs œuvres aux yeux du monde entier. On ne peut pas se taire, on ne peut pas, n'est-ce pas, euh, moi je ne veux pas changer de message, vous, ceux qui, ceux qui me connaissent depuis des années, savent que j'ai toujours dénoncé. Et ce n'est pas, pas un plaisir de dénoncer. Si vous nous voyez dénoncer les gens ouvertement, c'est que dans les coulisses, il y a eu un travail qui a été fait pour les amener à se, à se ressaisir. Mais des gens se lèvent pour débiter de niaiseries, de mensonges, et le peuple de Dieu doit découvrir la vérité. Voilà. La parole est la lumière. La parole est la vérité. Mes amis, Dieu est le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire le dieu véritable le dieu qui sauve nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1er euh, on entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et même une telle impudicité qu'il n'est pas fait mention de semblable chez les, chez les gentils. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Et cependant, vous êtes en feu fait d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil, afin que celui qui a commis cette action soit retranché du milieu de vous. Mais moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. Vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Votre vanité est mal fondée. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Ôtez donc le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons, la fête, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs. Ça, c'est Paul qui le dit. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne, de ne pas vous mêler avec les fornicateurs. Pas d'alliance contre nature. Il faut de la séparation, frères et sœurs, d'avec les impies. Mais non d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou avec les ravisseurs ou les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Or, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, ou cupides, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. En effet, qu'ai je à juger ceux du dehors, n'est ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Quant à ceux du de dehors, Dieu les juge. ôtez donc le méchant du milieu de vous. La parole est claire. On ne peut pas se mélanger. Livré, personne ne peut l'enlever du monde. Dieu seul va l'enlever lorsqu'il va revenir. Mais quand on trouve livré dans les assemblées, ben on les, on s'en sépare. Voilà. Paul dit si quelqu'un se dit frère et qu'il est impudique, cupide, idolâtre, il faut s'en séparer. Voilà. Pas d'alliance contre nature. Voilà. Ça c'est clair, frère et et, euh, et frères et sœurs. Et beaucoup d'autres frères et sœurs ont voulu, euh, mes amis, euh, témoigner contre ces, ces faux frères. Je leur ai dit pour l'instant, on attend, restons en prière, restons en prière. On a recueilli leurs témoignages, des frères comme euh, comme Angelino, euh, 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 comment dire, euh, à Nantes, comme d'autres ici et là, qui ont témoigné des choses comme Flavien hein, de Bressure comme en Belgique comme à Kinshasa, partout, partout, des frères et sœurs témoignent. Hein? Des frères et sœurs qui sont euh, euh, prêts à défendre la vérité, on leur a dit, écoutez, il y en a qui m'ont dit clairement, ce n'est plus ton affaire. Pendant des années, tu nous as dit de nous calmer, maintenant nous voulons défendre davantage, nous voulons dénoncer ces faux. Je leur ai dit, on va dénoncer, c'est vrai, il n'y a pas de problème, mais euh, euh, prions. Et s'ils continuent à vouloir tromper les enfants de Dieu... Et eh bien là, on va tout sortir. Là, je vous assure, on va faire des émissions et je vais mettre leurs photos avec leurs contradictions, avec les vidéos, tout ça là, avec les témoignages pour les exposer bien comme il faut. Et personnellement, depuis des années, la prison ne me fait pas peur si c'est pour la vérité. J'ai déjà été beaucoup euh, menacé, euh, convoqué au commissariat ici et là par rapport à la vérité ici en France. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Que quelqu'un porte plainte contre moi pour la vérité, on est prêt à aller partout pour défendre la vérité. Donc l'intimidation ne marchera pas. Vous voyez, notre combat n'est pas contre les hommes, bien sûr. Notre combat n'est pas charnel, bien sûr. Mais il faut défendre la vérité. Calvin l'a fait. Lisez l'histoire. Euh, euh, Guillaume, euh, comment dire, Farel euh, l'a fait. Beaucoup d'autres réformateurs l'ont fait. Je ne dis pas que je suis réformateur. Nous sommes, en tant que chrétiens, oui, en tant que chrétiens, nous sommes tous des réformateurs parce que nous prêchons le message qui réforme les cœurs. Mais euh, je ne suis pas mieux que ces gens-là qui ont, n'est-ce pas, fait un grand travail comme de Guillaume Farel, comme euh, de Simo Kimbangou en Afrique, comme des Kakou Soverain euh, en Afrique, même si on veut le dénigrer aujourd'hui, ces hommes qui ont servi le Seigneur véritablement. N'est-ce pas Ces hommes qui vont euh, juger des frères qui sont morts alors qu'ils ne les ont même pas approchés. Ça, ce n'est pas l'évangile, ça. Ce n'est pas de Dieu, tout ça, là. Ça, c'est l'esprit d'accusateur des faux frères. Ce n'est pas de Dieu. Vous voyez Et euh, beaucoup, comme vous le savez, nous attendent au tournant depuis des années parce que ce message dérange. Le fait que Dieu guérisse son, son peuple comme ça, ils vont commencer à dénigrer les guérisons que Dieu opère. Mais Dieu guérit son peuple, frères et sœurs. Nous avons des preuves médicales, des guérisons par rapport au cancer, par rapport au sida, que Dieu a accordé à son peuple. Si vous n'avez pas été guéri, ça, c'est poser la question au Seigneur. Mais ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Seigneur qui guérit. Voilà, mes amis. Dieu fait ce qu'il veut. Et si un cœur n'est pas pur, eh bien Dieu va pas. S'il il, décide de ne pas guérir la personne parce que la personne n'a pas foi ou parce que la personne a un cœur méchant, eh bien Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Oui, Dieu guérit son peuple, Dieu libère son peuple. Je dis bien, frères et sœurs, dans les nations, levons-nous tous pour prier pour nos ennemis, ceux qui nous persécutent, pour bénir ceux qui nous maudissent. Le combat n'est pas physique, le combat n'est pas charnel. Et euh, mais nous ne voulons pas nous taire, nous voulons continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Et euh, nous vous donnons rendez-vous ce samedi euh, euh, pour le programme de réveil ici à Évry. Et, euh, et puis euh, le 23 euh, pour la grande réunion d'action de grâce. Merci Seigneur euh, pour les frères et sœurs de Libreville qui ont eu euh, pour la, la plupart leur visa. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Merci à vous tous qui priez pour nous, qui nous encouragez à faire avancer euh, l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Et au nom de Yeshua. J'insiste bien, le combat n'est pas physique, n'est pas charnel, mais nous n'allons pas nous taire. Jamais. Et mes amis, tous ensemble, main dans la main, on avance. Il y a beaucoup de frères et sœurs ici à Paris, des jeunes qui se sont levés, il y en a plein, des Joël, hein, des trésors, des, 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 il y en a plein qui se sont levés pour défendre la vérité, plein d'autres. Euh, il y en a beaucoup, vous êtes tellement nombreux. Moi-même, j'étais surpris de voir... Cet engouement dans les nations pour la défense de la vérité, mes amis, c'est beau. Il y a tellement de versets que je peux vous donner qui confirment que la vérité doit être défendue. Il y en a tellement, vous les connaissez pour la plupart. Donc, je voudrais simplement ce soir euh, dire un merci au Seigneur et à tous les frères et sœurs. Et ceux qui s'inquiètent pour nous et euh, qui pensent que nous allons, euh, nous devons veiller par rapport à la distraction, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ne vous inquiétez pas. De temps à autre, la vérité doit être, comment dire, euh, comment, le mensonge doit être exposé. Et on enseigne Christ, on reste sur le Seigneur et on ne va pas s'attarder sur les dires des uns et des autres. Mais le mensonge doit être exposé. Si un mensonge est dit sur un frère, si vous, vous êtes dans la sagesse, vous êtes dans le discernement, ce n'est pas tout le monde qui a le discernement. Donc comprenons aussi que parfois, c'est important de faire le point sur certains mensonges. Pour que les frères et sœurs qui n'ont pas le discernement, qui sont faibles, soient éclairés. Et c'est aussi tout à fait, c'est biblique. Paul a été accusé plusieurs fois et parfois il disait, par exemple dans 2 Corinthiens 10, il a dit si nous marchons de la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Pourquoi il a dit ça Parce que beaucoup de, de gens disaient que Paul était charnel. Donc, parfois Paul disait ses mains ont pourvu à mes, à, à, à mes besoins. Parce qu'il y a des gens qui disaient que Paul mangeait l'argent, certainement l'argent du Seigneur. Donc, et il devait parfois se justifier pour que les faibles ne tombent pas. Donc pensez aussi aux faibles quand vous vous, quand vous, vous inquiétez hein, pour nous par rapport à la distraction. Nous ne voulons pas nous distraire, mais nous voulons simplement mettre de l'équilibre au nom de Yeshua. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que des sentinelles, il y en a des millions dans le monde entier. Et ils sont prêts à dénoncer le mal au nom de Yeshua. Soyez fortifiés, soyez encouragés. On se retrouve ce samedi. Et que le Seigneur soit glorifié. Et j'insiste, je bénis mes ennemis au nom de Yeshua. Et mon vrai ennemi, c'est le diable. Que Dieu soit béni, qu'il vous garde. Au revoir.